Le Centre national de gestion est depuis sa création en 2007 la maison commune des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Nous gérons la carrière des praticiens et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Aujourd'hui, nous devons adapter les missions du CNG pour accompagner les transformations du système sanitaire, social et médico-social. Dès ma prise de fonction, en tant que directrice du CNG, en septembre 2019, et après 20 ans passés à travailler pour l'hôpital public, j'ai pu saisir l'incroyable potentiel du CNG en matière de conseil et d'accompagnement des carrières. La notion d'accompagnement est centrale pour moi dans la définition d'une politique de ressources humaines. Nous devons réfléchir à comment mieux suivre et conseiller les professionnels tout au long de leur parcours. Quels dispositifs de soutien nous devons renforcer pour les aider à faire face à des contextes d'exercice complexes? Quels outils sont nécessaires pour améliorer la qualité de vie au travail des professionnels dont nous nous occupons? Mais aussi se poser la question de la modernisation de l'entrée dans la carrière et de l'adaptation des profils aux évolutions des structures et des organisations, notamment dans le cadre de la mise en place des groupements hospitaliers de territoire. Pour répondre de manière juste et concrète à vos besoins, à votre réalité, nous avons lancé une démarche collaborative que nous avons nommée Accompagner. Je vous invite à participer à cette concertation. Nous avons besoin de votre avis. Nous avons besoin de mieux connaître vos attentes. Que vous soyez directeur, praticien, responsable en agence régionale de santé, représentant des professionnels, qu'attendez-vous du CNG? Adressez-nous votre contribution via la plateforme Accompagner.